D'où viennent ces mystérieux personnages? Personne ne le sait vraiment, mais une chose est sûre. Ils sont restés cachés dans le clocher de l'église pendant plus de 40 ans. Apparemment, ils sont inconnus des habitants hein, de Hiers comme de Brouage. Personne ne les a vus exposés hein, jusqu'alors. C'est M. Cartier qui les a trouvés en juin dernier. Le plus étonnant, c'est qu'ils sont comme neufs. Aucune marque du temps. Même les habits en papier n'ont pas bougé. En tout cas, cette année, l'église de Brouage a une nouvelle crèche avec de nouveaux personnages qui ont pris plusieurs centimètres. Effectivement, on mettait en place une crèche beaucoup plus petite, hein, plus modeste. On change vraiment de dimension, hein, puisqu'on passe à peu près de 15-20 cm à 1 mètre. Donc on est plus dans le même volume. Le maire de la commune, M. Petit, lui, a une théorie. Le dernier curé de l'église, le père Legrel, était un baroudeur et se rendait très souvent au Canada. Mon hypothèse serait, mais bon, ce n'est qu'une hypothèse, que ça viendrait des tribus amérindiennes qu'il a donc fréquentées là-bas dans le Nouveau-Brunswick, au niveau de Caraquet, et c'est une tribu qui s'appelle les Micmac et qui pourrait peut-être avoir une fabrication de ces gros personnages de crèche de là-bas avec des matériaux du coin. Le père Maxime Legrel est décédé en 1984 et enterré sur place, dans son église. Visiblement, il était le seul à connaître l'origine de ces mystérieux personnages placés aujourd'hui à quelques mètres de lui.